Je suis autodidacte. Je fais de la peinture depuis mon enfance. Mais je me suis consacrée uniquement à la peinture depuis 2014. Et j'ai appris à peindre en regardant la nature. Pour moi, il est très important d'avoir les cinq sens allumés pour apercevoir toutes les belles choses de la nature. Je suis centrée au monde de l'art grâce à une série d'événements au Sonchet, coordonnée par une galerie en Santa Cruz, Manzana 1, qui m'a permis de faire des expositions en Bolivie. Et ici à Pau, j'ai trouvé Pop Art qui a ouvert ses portes pour que je puisse partager mon art avec tous. Et je suis très contente, très heureuse d'avoir cette opportunité. Et je pense que Pop Art, c'est une famille des amis qui ont l'esprit très ouvert pour accueillir tout ce qui est la culture, l'art, des artistes de différents horizons comme moi. Merci beaucoup. Pour parler un peu sur mon travail, pour moi, il est très important d'avoir une connexion avec l'âme. L'âme, c'est pas, pour moi, c'est pas autre chose que, n'est pas autre chose que l'enfant que nous étions autrefois. Et que, elle a envie de jouer, de crier, de chanter, de faire toutes les choses des enfants. Mais nous, les adultes, jour après jour, avec le travail, la vie quotidienne, les devoirs, nous avons oublié d'avoir cette connexion avec cette petite enfant. Je pense qu'il est très important que nous apprenions à regarder la vie à travers les yeux de cet enfant pour profiter de bonnes choses de la vie. Et c'est ça la magie que je cherchais avec mes œuvres. Mon exposition, il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui cherche la magie. Et j'espère que vous aimiez mes œuvres. J'espère que vous puissiez aussi retrouver la magie. Merci.